génération. Hip Hop Soul Radio. 1, 2, yeah. Patrice, ça va? Ça va, nickel. Cool. Tranquille. Le 24 novembre, grosse date, tu combats contre Daniel Sam. Grosse date, une date parmi d'autres. Hein. Un chaos dramatique promis à l'avance, je te le dis direct. Parle-nous, ici nos auditeurs, ils sont axés rap, tu vois. Après, ils te connaissent parce que t'es presque toi aussi dans le rap game. Mais par contre, la boxe, ça leur parle peut-être moins. C'est qui Daniel Sam pour toi? Et si tu devais leur parler de Daniel Sam, tu dirais quoi de lui, toi? Daniel Sam, c'est ma future victime, c'est ma prochaine bitch. Il vient de faire une belle erreur il y a peu de temps. Il s'est associé à un de mes ennemis, un footballeur, enfin, un ex-footballeur de l'équipe de France, qui n'aurait jamais dû jouer en équipe de France. Et donc, pour cette raison, je crois que je vais lui faire une belle, belle surprise. En très peu de temps, vous allez voir. Ça, on a tendance parfois à se dire, est-ce que tu ne mettrais pas à Daniel Sam ce que tu aimerais mettre à Benzema? Ouais. Franchement, il aurait fait mon poids et ma taille. J'aurais mis tellement de coups. Je l'aurais fait chanter la Marseillaise. Ah là là. Est-ce que parfois, parce que nous on te connaît aussi par rapport à ta com et ta façon de communiquer, est-ce que t'as pas peur parfois de la défaite, juste vis-à-vis de, parce que la défaite c'est humain, tu vois, dans le sport encore plus, mais tu t'engages tellement avant le combat, tu gazes tellement que tu n'as plus le droit de perdre, tu vois. Par exemple, là tu as sorti une vidéo qui m'a fait gaulerie, où tu appelles pour comment rapatrier un mort, en parlant de Daniel Sam. Bien sûr. Moi, si je fais cette vidéo, je dois me dire, putain, si je perds, comment je suis dans la merde quand même. Non, parce que toi, tu n'es pas moi. Et donc, t'es serein quand tu fais ça? Non, je t'explique, tu n'es pas moi et personne n'est moi. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, c'est dans mon ADN, tu peux mettre un grand balèze avec des gros pecs, il n'aura jamais mes couilles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, mes couilles, je les travaille toute l'année. Et tu sais quoi? Il n'y a personne qui s'entraîne autant que moi. Ça veut dire que si un jour il m'arrivait quelque chose, je pourrais dire bravo, tu as compris le secret, le travail. Et en fait, mon ego surdimensionné est à la hauteur de mon travail. Lorsque tu vas demander, tiens, à Caris qui m'a vu à l'entraînement, il m'a dit, mais c'est quoi ce truc? Il s'est dit, c'est quoi ce mec? Et tu t'aides un peu du rap game aussi pour faire ton buzz, on va dire. Je vois que tu nous parles de Caris, en tout cas, t'es proche de lui. Non, je ne m'aide pas, faut savoir, ça fait partie de ma... Ça te plaît ma... alors? Non, voilà, en fait, faut savoir que moi j'ai toujours, toujours, tu vois, c'est comme, par exemple, le patriotisme. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a peu de temps qu'on dit, ouais, carton le patriote. Faux. 2004, tu regardes des vidéos de 2004, tu sais, c'est beau, les paroles cartes, les écrits restent et les vidéos restent. 2004, je gagne les championnats d'Europe, je suis le premier champion d'Europe amateur de la boxe thaïlandaise. C'est jamais arrivé un poids lourd qui faisait ça. J'arrive, je suis le premier. Qu'est-ce que je fais? Je monte sur l'estrade, je chante la Marseillaise. Tous mes bouffons de coach qui étaient à côté de moi, arrête. 2007, à Lyon, à Villeurbanne, ils mettent la Marseillaise à fond. C'était à l'époque où l'âme s'était fait huer. Moi, je chante à mort, etc. Et je finis à la fin. Je dis, elle nous appartient à tous. 2012, je suis à Évry. Encore, on voit encore une vidéo. Je sais pas, eh ben c'est pareil. Le rap, se peut dire la même chose. Depuis que le rap, je connais depuis toujours. Je connais plein de rappeurs avant même que personne que les gens me connaissent. 2004, tu me trouvais encore dans le clip qui a choqué toute la France à l'époque. Tantem 93 hardcore. Le mec qui met le coup de pied dans le sac, c'est moi. Donc moi, j'ai toujours été à fond dans le rap. Après, quand on mélange les deux genres et que ça plaît aux gens, c'est bien. Ça Mais en fait, je cherche pas à faire plaisir. Tu comprends? Mais parce pourtant, tu nous fais plaisir. Ouais, tu nous fais plaisir la dernière fois, avant que tu arrives avec Jimmy, parce qu'on sait que tu es proche de Caris. Mmh. On se demandait si tu allais rentrer sur le ring avec ça. Du coup. Non. C'est une bonne musique d'entrée, non? Non, on a vu. Sors d'un sauté. Si tu fais ton entrée sur ça, franchement, c'est mortel. J'ai qu'une chose à dire. On aime bien casser mon pote. Mais sur moi, pas du tout, nous, on n'est pas du tout là pour ça. Pas vous. Mais tout le monde reprend les trucs. Mais moi, j'aimerais bien reprendre les sons de certains. J'ai rien contre Booba. Mais quand j'ai vu son son avec la meuf là dans l'eau, sur une voiture cassée. Excusez-moi. Christiane de Queen. C'est quoi ça? Et personne n'a récupéré. Et le son était tout pourri. D'accord. Donc à un moment, dans un album, il y a combien de chansons qui sont bonnes? Il y en a 3-4, après c'est pas tout l'album, à part Stromae qui a fait un record. Mais donc tu viens de dire qu'elle était pas bonne là? Bah c'est pas le meilleur qu'il ait fait, okay. Mais il le sait. On le reçoit nous cette semaine. Ouais, il vient cette semaine, l'album sort dans une semaine et demie, quasiment à peu près. C'est ça, on a écouté le projet. Quand il va venir, du coup, une question pour lui? C'est ça, on s'est dit, c'est le moment. Caris, j'ai pas de questions, tous les jours je l'appelle.
là, Caris, il va nous tuer, il va tuer les gens. Et je lui ai dit, lâche pas derrière. Ça veut dire, tu te relâches pas. Vaccin, je lui ai dit, il faut faire comme moi. Le VCL, vaccin contre la lèche. Tu continues et t'enchaînes. Et tu t'en bats les reins. Ah, moi, je trouve que c'est un bon mot de la fin. Ouais, c'est belle, clair. Belle motivation. On va se quitter sur un mec déter. Ouais. Et c'est ça que j'ai. Ben, ça lui ressemble en plus. On rappelle quand même, 24 novembre à la Carpentier, c'est ça? Ouais. Aimez-moi Arrêt du cœur. On se quitte sur Arrêt du cœur. Je te mets ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais bien qu'on se quitte sur Blow et qu'il nous en fasse un petit. Ouais, moi, je suis presque plus chaud pour c'est ça. Fou, Arrêt du cœur, c'est trop fort. Tu le maîtrises? Les deux. Tu ah le oui, je le maîtrise. Ah, voilà. Mets-lui un petit Arrêt du cœur. Et on se quitte sur un freestyle de Patrice. Ouais, c'est vrai que je le maîtrise mieux. Ouais, et le refrain après. Non, vas-y, on s'en fout. Un boxeur qui nous parle refrain. Putain, Caris. Comme j'ai toujours dit, il a trop assuré ça. 10-12 heures. Dès le premier son qu'il a fait, j'étais là. J'ai fait le clip avec lui, mon frère. Et je lui ai dit, à la première note, c'est bon celui-là, tout le monde va sauter. Et pourtant, il y avait des attentats. Tout le monde prenait pour un Tommy. Tout le monde disait, tu vas pas voir. Je t'ai dit, tu feras 1 million de vues ce soir. Il m'a dit, non, tu verras. RG2. Et je savais, avec le petit Renoir qui était à côté, là. Arrêt du cœur, sauvagerie. 2-16-10-12-14, bureau annonce la couleur. Sauvagerie. Beaucoup de l'art peu de repentis comme Larry Hoover. Sauvage. Calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Ça vient de se prendre les airs. Songo le Tozo. Cagoulé lourdement armé sous la base arrière. Songo le Tozo. En mater, faut que la juge et le commissaire. 2-7 Calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Sauvage et Zaïrois. Sauvage et l'Ivoirien. Tout ce que j'ai retenu de la Marseillaise, c'est aux armes citoyens.